Alors, qui parmi vous connaît XBRL déjà? Qui lève la main? À part toi, hein, je te connais. Eh bien oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'XBRL. En fait, c'est un format que beaucoup d'autorités réglementaires en Europe, dans le monde entier, ont mis en place pour pouvoir échanger des données qui ont une relation avec soit le monde financier, soit le monde physique. Et c'est pour ça que ce sont souvent des données réglementaires, parce que ce sont des institutions qui demandent ces informations. Et les entreprises, le plus souvent, doivent faire un effort pour comprendre ce que veulent les institutions. C'est souvent le cas comme ça. Alors, on va voir donc pourquoi avoir mis en place un standard comme XBRL. On va explorer les différentes caractéristiques du standard. Et lorsqu'on aura bien exploré les caractéristiques du standard, ce sera un peu ardu, je vous préviens. Mais comme vous êtes tous top-notch, il n'y aura pas trop de difficultés, je suis sûr. Et nous passerons à quelques exemples avec AREL, qui est en fait un processeur XBRL, qui est comme le couteau suisse d'XBRL, parce qu'il permet de plus ou moins cacher tout ce qui est difficile dans le standard. AREL le cache bien. Mais par contre, la courbe d'apprentissage, vous verrez, elle est un peu pentue. Mais avec le temps, j'espère que vous prendrez goût aussi à AREL, comme nous avons pris goût chez Axon. Parce que maintenant, ça fait chez Axon, dans la société dans laquelle je travaille, maintenant, depuis 2013, que nous utilisons AREL pour tous les besoins réglementaires. Et nous passerons ensuite à des cas pratiques pour voir comment on peut valider de l'XBRL avec AREL et comment on peut en extraire des données. Nous verrons tout ça. Alors, 1998 ou 98. Et alors, qui était né déjà en 1998? Ah, oh. Ouais, cool. Alors, vous savez très bien ce qui s'est passé en 1998 spécial. Oui, correct. C'était la première victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde. Tout le monde s'en souvient. Mais aussi, il y a eu quelque chose de très spécial en 1998 chez les informaticiens. C'est la venue d'XML. Qui ne connaît pas XML? Ouf, vous êtes au bon endroit alors. Alors, XML, Extensible Modeling Language, a été justement inventé en 1998 pour simplifier ce qu'à l'époque il y avait et qui était SGML. C'était le Structured Generalized Markup Language, un langage de balisage pour baliser de façon structurée tout type de contenu. Et ce qui était le plus novateur à l'époque, c'était qu'en fait, on savait pas seulement baliser du contenu, mais on pouvait aussi spécifier comment baliser le contenu. Pour nous, maintenant, ça nous semble évident, mais à l'époque, avoir une grammaire, les fameux document type definitions, qui permettent de dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme balisage et que ce soit générique, c'était pas si évident. Il y avait une grammaire pour tout. Et alors, avoir un format qui pouvait être vraiment générique, c'était novateur. Alors,
Passons maintenant à l'utilisation de XBRL. À quoi peut bien servir XBRL, qui est en fait, à première vue, c'est pour faire du balisage de rapports financiers. Ici, j'ai une page d'un rapport financier de SES Astra. Eh bien, l'idée qu'ont eu en premier lieu Charles Hoffman en Amérique en 1998, c'est qu'il pouvait être possible, grâce à XML qui venait d'être inventé, d'aussi baliser des documents comptables. Ici, en l'occurrence, un rapport annuel. Il s'est dit, Charles Hoffman et Louis Matern se sont dit, ben, ça doit quand même être possible de le faire. Et si on en faisait une démo à l'Association des comptables? Et ils l'ont fait, et ils ont reçu aussi des subsides pour continuer. Et c'était en 1999, ils ont fait leur première démo à l'Association des comptables, et ils ont reçu aussi l'accord pour le faire plus tard aussi dans des grandes entreprises. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de baliser? Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien, on voit d'abord qu'on est en présence d'un type de tableau. Alors, ici, c'est un compte résultat. Donc, les comptables aimeraient bien savoir, ben oui, je veux faire un tableau des comptes résultats. Ensuite, on voit plusieurs autres choses. C'est quoi cette petite écriture-là, euro-million? Pour nous, des êtres humains, c'est facile. Ça veut dire, ben, tous les chiffres qu'on voit là dans ce tableau, ben, c'est exprimé en millions d'euros. Mais on doit trouver une façon de le faire comprendre aussi aux informaticiens, aux machines programmées par les informaticiens. On verra par la suite comment. Autre chose importante, ici, il y a deux colonnes de chiffres. Il y a, pour les comptables, ils aiment bien comparer les chiffres d'une année avec ceux de l'année passée. Ça aussi, il faut savoir comment le formaliser dans un document XML. Nous allons voir ça avec des périodes différentes. Et puis, lorsque un expert comptable lit un rapport annuel, il sait à quoi correspond un chiffre parce qu'il lit le libellé et que lui, il a tout le bagage intellectuel pour comprendre ce libellé. Eh bien, pour une machine, idéalement, elle devrait aussi comprendre que 2744, c'est C-band repurposing income. Je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne suis pas comptable, mais il faudrait aussi qu'une machine soit capable de formaliser tout ça. Et puis, pour nous, c'est évident, mais que signifie 2744? Est-ce que ça veut dire 2744 ou bien 2,744? Pour nous, on peut supposer qu'on a la notation anglophone et que donc c'est 2744 millions, je vous rappelle. Mais pour une machine, il faut aussi pouvoir spécifier que 2744, ça correspond à 2744 millions. Nous verrons ça aussi. Et puis, il y a des notes explicatives. Il y a des références à des notes explicatives. Ça aussi, on ne veut pas perdre. Ça peut être utile pour le traitement automatisé d'aussi connaître les notes explicatives. Les gens, Charles Hoffman, en 1999, il a lancé XBRL, eh bien, c'est maintenant, en 2001 déjà, il y avait le Federal Deposit Insurance Corporation en Amérique qui a imposé le premier rapport au format XBRL.
c'était super rapide. Et puis, la Securities and Exchange Commission, c'est la société américaine qui contrôle toutes les sociétés cotées en bourse américaine. Elle a emboîté le pas et elle a demandé à Charles Hoffman aussi, fais-moi une taxonomie pour les rapports annuels américains. C'était dès 2002, je crois. 2001, 2002, je ne me rappelle plus. Et ils l'ont fait. Je vous ai dit un mot barbare, taxonomie. Taxonomie, ne vous, n'ayez pas peur, ça veut simplement dire que c'est une hiérarchie de concepts. On essaye de mettre dans un, donner du sens à un ensemble de concepts, comme on le fait tout à l'heure ici. On essaye de donner du sens à tout un tableau de chiffres. C'est ce que nous verrons par la suite. Quels sont les bénéfices escomptés ? Naturellement, c'est en tout premier lieu les sociétés qui soumettent. Eh ben, il faut qu'elles aient, qu'elles accroissent leur transparence. On peut aussi, grâce à XBRL, comparer plus facilement les chiffres des sociétés entre elles. Et finalement aussi, c'est la SEC, la Securities and Exchange Commission, qui a mis en place ça. Elle peut mieux surveiller les sociétés. Plongeons-nous maintenant dans les entrailles d'XBRL. N'ayez pas trop peur, je suis là. Ne vous en faites pas, ça ira. Ça a été fait par des comptables à la base. Alors, ils ont mis très peu de structures dans leur XBRL, mais par contre, ils aimaient, à mon avis, beaucoup la métaphore du data warehouse. Du coup, les données dans XBRL, maintenant, elles sont... On parle souvent de data point et tout consiste à formaliser d'une certaine façon le data point. Ici, nous avons la formalisation d'un, en XBRL d'un compte des pertes et profits. Le chiffre qu'on voit là, qui était avant 904, est maintenant devenu moins 9 milliards 40 millions. Ou 904 millions, pardon. Et alors, et pour le chiffre, on doit aussi indiquer quelle précision a ce chiffre. Eh bien, ça, on l'indique avec l'attribut decimals. Et aussi, on doit dire quelle unité a le chiffre. Eh bien, la référence à l'unité, c'est EUR. Ici, on indique EUR, mais ne vous trompez pas. C'est seulement une référence à une spécification plus formelle de ce qu'est une unité. Et puis, on a un truc barbare, c'est le contexte. Et on met dans le contexte tout ce qui est des autres caractéristiques que nous avons vues, notamment, par exemple, à quelle période s'applique le chiffre. Justement, donc ça... C'est le nom du, du concept dont on a parlé. Souvenez-vous, taxonomie, c'est une hiérarchie de concepts. La référence à un contexte, nous verrons par la suite ce que c'est. Le nombre de décimales significatives, qui ici, et c'est il y a un moins, ça veut dire que en fait, si c'est des décimales positives, c'est significatif à la deuxième, troisième décimale. Si c'est un négatif, c'est aux unités, aux milliers, ou ici, dans ce cas-ci, aux millions près. Donc, le chiffre est significatif aux millions près, dans notre cas. Et la référence à une unité. Finalement, tout ça pour exprimer une certaine valeur. Et c'est ça le contexte. Qu'est-ce qu'on met dans le contexte ? On met à premier abord aussi le chiffre. C'est bête à dire, mais à quelle société s'applique ce chiffre ? C'est pour ça qu'on met le code LEI de la société dedans.
Et ensuite, on met la période, comme je vous avais dit. Ici, la période, ça va de 2000. C'est pour l'année 2023, ce chiffre, puisque c'est du début à la fin de l'année. On peut mettre aussi, ici, c'est une durée. On peut mettre aussi des instants et un chiffre peut être bon pour l'éternité aussi. C'est très rare, mais bon. Et ici aussi, donc je vous avais parlé de la référence EUR. La référence, ça aussi, c'est l'unité. Ici, on peut mettre des unités. Ici, c'est une unité monétaire, mais on peut mettre aussi des fractions dedans, par exemple des kilomètres-heure. Ou ce qui est très moderne maintenant, c'est de savoir combien d'équivalents de CO2 on peut émettre par année. Ça aussi, il y a la possibilité, avec ici, dans cette balise, de le spécifier. Vous voyez ces trois balises? Eh bien, dans une instance XBRL, qui est du XML, vous ne trouverez que, en gros, ces trois balises-là. Pas de structuration supplémentaire. On voit bien que c'est dans l'idée comme dans un plutôt relationnel, et c'est un encodage XML de données relationnelles, parce que vraisemblablement, Charles Hoffman avait un background de DB relationnel. Par contre, il a aussi connu Xlink et Xpointer. Et en fait, on s'en sert de ces normes Xlink et Xpointer pour faire deux choses. Je vous ai expliqué que c'est des concepts et c'est des relations entre des concepts. Et justement, avec Xlink, on sait exprimer des relations entre des concepts. Je vais vous montrer maintenant comment. Et ce n'est pas seulement des relations simples comme dans un bête HTML avec Ahref, mais c'est aussi des relations étendues dans lesquelles, en fait, tout ce qui on donne dans un fichier les relations et dans d'autres fichiers les ressources sur lesquelles portent ces relations. C'est pour ça qu'on les appelle étendues. Voilà. Alors, dans toute la suite de ce que je vais vous montrer, je vais vous donner des exemples d'SF. SF est en fait une des incarnations XBRL de l'ESMA, c'est l'agence européenne qui s'occupe de surveiller en fait toutes les sociétés cotées en bourse en Europe. Eh bien, je vais vous donner des exemples. Depuis 2001, maintenant, toutes les sociétés cotées en bourse sont tenues de donner un rapport en XBRL de leur rapport en format XBRL. Ils doivent donner leur rapport annuel en format XBRL. C'est ça qu'ils doivent faire. Je vais vous montrer comment. Donc, ici, je veux vous montrer, le but, c'est de vous montrer à quoi correspond plus ou moins une taxonomie. Le point de départ, c'est en fait la spécification du fameux profit, pertes et profits. À quoi ça correspond? Eh bien, ça correspond surtout ici à un type qui est un type monétaire. On dit que c'est un crédit et que c'est un type de durée. C'est pour ça qu'on avait vu une période de A, parce que ça exprime une durée. Et son nom, c'est Profit and Loss. On va donc, pour vous illustrer l'utilisation de Xlink dans ce cas-ci, je vais vous montrer comment, en fait, on associe un libellé à ce concept XBRL. Donc, nous allons passer d'abord spécifier la ressource, qui est le concept en lui-même. En fait, on va donner ici un locata. On va dire que
Ici, ça c'est une référence X-pointer pour indiquer où se trouve la définition du fait, du concept. Et on donne un nom, locate à 3038, à cette référence. Ensuite, on va référencer quoi? Eh bien, on va référencer la documentation qui elle-même est une ressource qui se trouve dans le même fichier, dans ce cas-ci, que le lien, et elle va s'appeler ressource 3038 avec l'explication « The total of income less expenses ». Et maintenant, il faut spécifier le lien. Comment on fait ça? Eh bien, avec un élément qui fait la jointure entre le from, qui est l'élément, le concept défini, et le to, qui est l'explication du from au to. C'est ce qu'on appelle un arc. Le type de l'arc, c'est l'arc role, c'est celui-là. C'est un concept label dans ce cas-ci. C'est bon? Pour l'instant, super. Et n'oubliez pas, dans les taxonomies, tout est relation. Tout consiste à exprimer des relations. Par exemple, dans les rapports SF, ce qui est important, c'est de savoir, on sait définir, soit toute société peut définir ses propres concepts, mais on doit pouvoir spécifier de quelle manière ils sont reliés aux concepts originaux préconisés par l'ESMA et IFRS. Et ça, c'est fait avec un arc wider narrower, qui donne une relation du plus général au plus spécifique. Et donc, une société peut créer soit un concept qui est plus général ou plus spécifique que celui proposé par l'ESMA. Alors, il y a différents types de relations, et une des relations les plus importantes, c'est ce qu'on appelle les dimensions, qui servent à caractériser plus précisément un fait. Typiquement, un fait, est-ce qu'il est pour toute la société ou est-ce qu'il se réfère à ce qu'a gagné la société dans un certain pays, par exemple, ou dans une certaine région? On peut exprimer avec des hypercubes et des attributs supplémentaires comment une société fait ses profits ou ses pertes. Et ça, c'est exprimé par des hypercubes qui font référence à des dimensions et qui, les dimensions peuvent, si elles sont explicites, elles peuvent avoir des membres de dimensions. Typiquement, une dimension explicite, ça peut être un pays avec la dimension, c'est le pays, et puis il y a le Luxembourg, la Belgique, la France, l'Allemagne, tous les autres pays d'Europe. Il y a partout, pour une dimension donnée, un membre de dimension, c'est un pays concret. Tout ça, c'est exprimé grâce à des relations X-Link, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et alors, dans une taxonomie, ce qui nous intéresse, c'est de dire comment sont relatés les faits entre eux. Ça, c'est par les concepts des presentation arcs. On indique quel est l'ordre et le libellé préféré. Ça, et on fait des relations de parents-enfants. C'est du classique. On dit une hiérarchie classique avec papa et enfant en dessous, ou maman et enfant au-dessous. Et puis, il y a aussi des hiérarchies. Les gens se sont dit, mais on aimerait bien aussi pouvoir exprimer des calculs, dire que deux faits, ici, profit loss from continued operations, profit loss from discontinued operations, lorsqu'on les additionne ensemble,
ils doivent être égaux à profit loss. Ça aussi, on sait l'exprimer avec des relations particulières dans des taxonomies, avec des calculation link pairs. Et puis le top de la difficulté, là, ici, on sait exprimer des sommes simples. Avec les formula link pairs, on sait exprimer des calculs génériques. Tout ça, c'est basé sur XPath 2. Et on peut, donc, il y a quatre espèces de formules, si on veut. Celles où on fait des assertions. Est-ce que si je calcule mes faits d'une certaine façon, j'arrive à au bon résultat attendu, oui ou non? Le résultat, est-ce que c'est j'arrive, oui ou non, au bon résultat? Par contre, les assertions d'existence, on compte combien de faits existent d'une certaine, correspondant à un certain concept, et est-ce que il y a le bon nombre de ces faits, oui ou non. Et puis ici, il y a les vraies formules dans lesquelles on peut dériver certains faits d'autres faits. Et puis, finalement, il y a aussi des assertions de consistance qui sont moins utilisées, donc je vous en parlerai moins. Et puis, une fois qu'on avait les faits, on a les présentations présentées de façon hiérarchique. Ça peut de temps en temps ne pas suffire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On aimerait aussi agencer les faits sous forme de tableaux. Parce que ça parle à des comptables et à des êtres humains. Et c'est pour ça qu'on a défini aussi dans XBRL, la possibilité d'agencer les faits sous forme de tableau avec maximum trois axes. L'axe des X, comme ça. L'axe des Y, normalement comme ça, en vertical. Et l'axe des Z, lorsqu'on aligne les tableaux. Imaginez-vous un workbook Excel avec plusieurs sheet à l'intérieur du workbook. C'est ça l'axe des Z. Ici, il y a l'exemple d'un tableau. Celui-là n'est pas pris d'SF, mais il est pris de l'EBA, qui est en fait l'autorité de contrôle européenne des banques. Et c'est un tableau tel que présenté par spécifié dans les taxonomies et qui peut être généré aussi automatiquement avec l'outil que nous allons voir par la suite, avec AREL. C'était bien d'avoir XBRL, ils se sont dit, mais très vite on s'est rendu compte que XBRL, c'est un peu ardu. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, XBRL, c'est du XML. Si on mélangeait ça à du HTML, comme ça, on aurait le meilleur des deux mondes, parce que XBRL est lisible pour une machine, mais pas pour un être humain. Alors que HTML, c'est lisible pour un être humain, mais ce qu'on présente dans de l'HTML, une machine, ça a une valeur sémantique qui est quand même assez pauvre. C'est pour ça qu'on a mélangé les deux et c'est devenu inline XBRL. Mais par contre, ça a quelques défauts. On s'est rendu compte que les instances inline XBRL sont très, très grosses. J'ai vu déjà des documents SF qui faisaient 40 mégas. Donc, ça, c'est pour une société. Imaginez-vous que toutes les sociétés d'Europe, il faut les traiter. Donc, on commence à traiter des paquets de données. C'est vraiment, c'est gros, malheureusement. C'est ça un peu le problème. La gestion des ressources graphiques, il faut vraiment faire attention à comment on fait la gestion des photos, des images et des éléments graphiques à l'intérieur d'un inline XBRL parce que c'est ça qui en fait grossit énormément les instances. Et puis, si vous avez beaucoup de données à baliser en XBRL, eh ben, inline XBRL n'est pas tout à fait adapté. Ça marche même dans les grosses instances SF, de
de 44 mégas, il n'y a en fait que peut-être 2000 maximum données faits XBRL. Donc, si on veut passer, comme dans certaines taxonomies, à plusieurs centaines de milliers de faits rapportés, c'est plus bon, inline XBRL. Mais alors, qu'est-ce qui serait bon pour avoir des centaines de milliers de faits rapportés? Eh bien, on a inventé en fait le Open Information Model, qui est une simplification d'XBRL et dans laquelle on exprime en JSON ou en CSV la même chose qu'en XML. Mais c'est du JSON et c'est du CSV. Forcément, c'est plus compact, mais c'est un peu simplifié. On ne peut pas tout faire avec de l'Open Information Model. On ne peut avoir que des contextes simples. Je ne vous ai pas parlé des tuples en XBRL. C'est en fait des déclarations d'éléments qui sont complexes, genre adresse. On ne peut pas mettre dans de l'OIM des adresses avec vraiment un élément hiérarchique XML, alors que dans XBRL, c'est possible. On ne peut pas avoir de fractions. Dans XBRL, on sait avoir des fractions, mais dans OIM XML, pas de fractions. Et tout ce qui est non standard comme rôle, c'est les rôles, c'est les fameuses relations X-link, X-pointer. On n'a que des trucs standards. On se contente que aux relations standards. Par contre, on a bien voulu de notes de bas de page parce que les notes de bas de page, les notes véhiculent de l'information importante. Et c'est pour ça que maintenant, le plus souvent, on tend vers donner au moins une représentation OIM JSON des données XBRL, parce qu'elles sont plus compactes, plus faciles à traiter que le XBRL original. Mais ça, c'est une donnée, toujours le même fait, hein, toujours pertes et profits, comment elles s'expriment en JSON. Mais il a besoin de métadonnées. Et ici, il y a d'abord le format, que c'est du XBRL JSON, que de niveau, on a besoin d'informations pour dire quels namespaces sont utilisés pour les unités et quels namespaces sont utilisés en général, par exemple, pour spécifier quel est l'émetteur d'un fait. Et important aussi, il faut indiquer quelle est la taxonomie utilisée. CSV, c'est la même chose. Par contre, moi, je trouve que ça aurait dû s'appeler OIM CSV plus JSON. Pourquoi? Parce que les données sont en CSV, mais on verra que les métadonnées, elles sont toujours en JSON. Donc, n'oubliez pas, pour OIM CSV, il faudra toujours des métadonnées toujours spécifiées en JSON. C'est du CSV basique, RFC 4180 j'indique, mais avec la différence que par défaut, c'est de l'UTF-8 et ça va rester toujours de l'UTF-8, que les caractères tab sont permis et que vous pouvez mettre comme fin de ligne ce que vous voulez. Et du coup, vous voyez, hein, ça donne une représentation compacte, mais on ne sait pas trop ce que ça signifie. C'est pour ça que ici, il faut les métadonnées sont importantes pour indiquer, en fait, dans les métadonnées CSV, on donne la référence de comment ça apparaît. Pardon. Faut faire attention ici. Comment ça apparaît en fait en format de JSON. Et on donne le mapping de comment ici les colonnes de notre CSV les mapper en JSON avec les fameuses références dollars qui se réfèrent au champ défini ici. A priori, c'est assez facile. Mais il faut y penser
lorsqu'on lit ou on écrit un fichier OIM CSV. Ah, nous passons finalement à RL. Je vais vous montrer maintenant, on a encore 15 minutes, je vais vous montrer quand même faire une petite démo d'RL. J'espère que ça va marcher avec le réseau. On va voir. Alors, hop, on va faire ça. Je vous ai tout mis dans un petit fichier Jupyter. C'est pratique. Et pour que ce soit plus lisible, peut-être passer en mode présentation où on voit mieux. Ici, rien de... Ah oui, j'ai oublié de dire un truc important. Ici, nous sommes dans une une conférence de développeurs Java. RL est écrit en Python, votre meilleur ennemi. Mais c'est pas si embêtant que ça. On s'y retrouve vite si jamais vous ne maîtrisez pas le Python. C'est quand même quelque chose d'assez facile à appréhender. Un développeur Java n'est pas trop perdu. Ici, je vais vous récupérer d'abord des fichiers qui viennent du web directement. Et a priori, la collecte s'est bien passée, c'est bon. On spécifie ici quel fichier je vais récupérer du net. J'ai pris la SES et aussi une société polonaise que je ne connaissais pas. Peu importe. Ici, c'est rien de spécial non plus. Je ne m'étendrai pas sur ça. Je prépare mes données. On télécharge ici les fichiers. C'est en train de télécharger. Ça va un peu plus lentement. Pour l'instant, on n'a pas encore utilisé RL. Ça marche à la super vitesse. Le réseau est super bien ici. Finalement, on peut passer à RL. RL, c'est vraiment un couteau suisse. Pourquoi? Parce que ça a une interface graphique. On peut l'utiliser en ligne de commande. On peut l'utiliser en serveur web. Mais moi, je vais vous montrer comment l'utiliser en API, puisque nous sommes tous des développeurs en principe ici dans la salle. Et donc, en API, comment est-ce qu'on l'utilise on fait simplement ça apparaît comme une librairie qui est sur PyPy, donc vous pouvez la télécharger comme toutes les librairies de PyPy avec PIP. Vous pouvez ici, j'ai mis ce qu'il faut pour faire une conversion en JSON, certes, justement. Pourquoi en JSON? Parce qu'ici, j'ai marqué un nom de fichier qui se termine par .json. Ici, la philosophie choisie, c'est qu'on ouvre une session, on donne des paramètres comme si c'était des paramètres de ligne de commande et on exécute certains plugins. Ici, le Save Loadable OIM, c'est un plugin d'RL qui permet de justement sauvegarder en JSON ou en CSV. Et ici, c'est un plugin qui permet de gérer les fameux fichiers SF. Et on dit, lorsqu'on a spécifié ces paramètres, simplement « run ». Et on exécute. C'est tout. Et si tout va bien, lorsque nous aurons exécuté tout ça, voilà, c'est en train de s'exécuter.
Lorsqu'on aura exécuté tout ça, il y a quelque part un bug. Lorsque je le fais dans Jupyter, il affiche plusieurs fois la même ligne de commande. Ne vous laissez pas trop impressionner par ça, hein. Les mêmes logs. Ça, ce sont les logs en fait. Il affiche plusieurs fois la même ligne de log. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai observé ça avec Jupyter. Et donc ici, il est en train de, il a converti les quatre fichiers que je lui ai indiqués. Oups, pardon. Et ils sont effectivement disponibles maintenant ici dans JSON. C'est vraiment ça. Par exemple, voilà. Et on est de nouveau dans les faits, comme je vous avais montré tout à l'heure. À partir de ça, si vous savez lire dans votre système de production le fichier JSON, le plus simple, c'est directement utiliser le fichier JSON. Arel le met automatiquement à votre disposition, c'est tout bon. Si toutes les données dont vous avez besoin se trouvent déjà dans le fichier JSON, utilisez JSON. Comme ça, vous vous embêtez le moins possible. Vous prenez directement. C'est les développeurs d'Arel qui prennent en charge toutes les spécificités XBRL. Par contre, si il se peut que ça ne suffise pas. C'est la même chose en CSV, hein. En plus, je vous avais dit qu'avec Arel, on s'est validé. Il suffit de mettre ce que j'ai mis là, le validate est égal à true, de le mettre réellement dans le code et ce sera validé aussi, en plus de converti en CSV et en JSON. Si ça ne suffit pas, XBRL est tellement compliqué, il y a beaucoup de données. Si vous ne les trouvez pas dans l'OIM, passez à l'API interne d'Arel. Et ça, je vous montre ici, l'API interne d'Arel. Là, je rentre dans le détail. Une fois que vous avez tapé run ici, vous avez tapé run, je le mets de nouveau en grand. Une fois que vous avez, où est-ce que c'est? Voilà. Une fois que vous avez tapé run, vous avez à votre disposition dans Model XBRL, Session Get Models, toutes les données qui, en principe, apparaissent à la fois dans les taxonomies et dans les instances. Elles sont à votre disposition dans Model XBRL. Ici, je vais faire un truc assez basique. On va simplement faire une itération sur tous les faits et en extraire les concepts. L'entité, c'est-à-dire le déclarant qui déclare, les périodes, en extraire les périodes, en extraire la value, les décimales que je vous avais montrées tout à l'heure, l'unité, ici j'ai fait au plus simple, j'ai mis l'unité simplement en tant que string, mais attention, si vous devez faire des trucs plus pointus avec les unités, Arel met à votre disposition tout ce qu'il faut pour décortiquer vraiment une unité nominateur, dénominateur, lorsqu'il s'agit par exemple d'émissions de gaz à effet de serre par année. Arel a fait ça tout pour vous, donc utilisez plutôt un truc plus futé que ça. Et moi, ce que j'ai fait, c'est simplement pour les besoins de la démo, je l'ai mis dans une DB Postgres. Et c'est tout.
N'oubliez pas, à la fin, lorsque vous avez terminé, ça c'est surtout utile si vous faites des trucs sur un serveur et que ça doit tourner longtemps, n'oubliez pas de faire le close à la fin. Ici, il y a déjà au session un close, mais il y a aussi ici ce close-là qui doit être fait. Et finalement, lorsque c'est exécuté, on obtient une DB. Je n'ai plus trop de temps pour vous le montrer in vivo, mais vous devrez me faire confiance, c'est vrai. Après, vous pourrez le tester vous-même à la maison, d'ailleurs. Après, vous obtenez toutes vos données. Comment est-ce qu'on voit ici? Toutes les données sont dans votre DB. C'est un exemple. Et après, avec ça, vous êtes les rois du pétrole. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces données. Et vous avez vraiment la main sur les données grâce au modèle XBRL que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, je me suis concentré ici sur ce qui est instance, mais vous avez aussi des informations sur la taxonomie dedans, dans le modèle XBRL que je vous ai montré. Voilà, notre présentation touche presque à sa fin. Les conclusions. Donc, XBRL, c'est important parce que le reporting légal, il est facilité grâce à ça. C'est ardu à comprendre. Il m'a fallu des années pour bien comprendre tout. Mais j'espère que cette petite présentation vous aura un peu ouvert les yeux. AREL, très important. AREL a résolu tous les problèmes difficiles. Donc, faites appel à AREL lorsque vous en avez besoin pour traiter vos données XBRL. Par contre, AREL n'est pas un éditeur d'instances. Il ne se prête pas très bien pour créer graphiquement des instances. Il y a un mode pour créer des taxonomies, mais ce n'est pas génial, génial, génial. Des questions? Ah! Est-ce que vous rencontrez des problèmes de performance avec AREL écrit en Python? Oui, tout à fait. Et alors, ce que nous faisons, c'est qu'avec AREL écrit, c'est très long. Donc, pour lire une instance de 44 mégas, on met en général sur un serveur une vingtaine de secondes. C'est bien ça, hein, plus ou moins à froid. Vingtaine de secondes à froid si on doit lire à la fois l'instance et la taxonomie, et 5 à 6 secondes pour lire seulement l'instance si la taxonomie est déjà chargée en mémoire. Et donc, on commence à faire des hacks pour justement, par exemple, un des hacks, c'est de charger la taxonomie à l'avance en mémoire, et alors ça va plus vite. Et ça, en partie, on peut le faire avec AREL si on s'y connaît un peu. Et par contre, si vous utilisez AREL en mode production, ce que vous devez absolument faire, c'est mettre devant une file d'attente. Peu importe si vous l'utilisez en mode web server pour profiter justement qu'il soit chaud et qu'il ait lu les taxonomies, vous devez mettre une file d'attente devant pour sérialiser les validations. Et puis, tout marche. Mais 5 secondes, il est faux au minimum pour 20 mégas. Merci beaucoup. Merci.